Didier Deschamps faisait alors clairement référence au passé de joueur de Christophe Dugarry, conspué sur tous les terrains de France, parce que jugé trop mauvais pour mériter d'être chez les Bleus. Quand l'ex-attaquant avait inscrit le premier but tricolore du Mondial 1998, il avait ainsi tiré la langue en direction de la tribune de presse pour signifier qu'il jugeait les médias responsables de la cabale contre lui. Ce qui n'a pas empêché le même de déclarer à la radio, le 29 mai dernier, « On ne peut pas être champion du monde avec Giroud ». Une phrase qui avait aussi agacé le sélectionneur, puisqu'elle s'inscrivait dans le même lobbying du consultant pour un retour de Benzema en sélection. Dugarry avait, du reste, présenté des excuses dès le lendemain. Mais, visiblement, le mal était fait.